Oh, bah vous êtes là. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Ah, bah moi je bosse, hein. Vous allez bien? Bon, moi j'ai un peu la tête dans le fion. Je sors d'un petit sieston là. Et ouais, à notre âge, besoin de faire une petite pause, ça fait du bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai un petit peu bossé dans le T6 encore. Donc, non content de lui avoir mis 190-130. J'ai fait une nouvelle modif. Et je ne vous dirai pas quoi. Ah non, c'est top secret. Donc bah, on va aller monter ça, puis on verra ce que ça donne. Nous sommes dans des terres connues. Avec le T6. On n'a pas eu un afflux monstrueux de personnes qui ont cotisé dans notre cagnotte hein, depuis qu'on a annoncé que le T6 était à gagner. Est-ce que ça vous fait peur? Un petit T6 bien travaillé, qui a déjà donné 115. Est-ce que ça vous fait peur de gagner un T6? Le T6, hein, après déjà quelques aventures. Donc voilà, encore en très bon état. On sort la titine, on va monter ça à tout le prix. Bon, voilà le cylindre démonté là, avec la petite modif. Donc on peut pas démarrer sur la béquille avec ce pot, hein, comme vous savez. On est privé de trépied. Donc voilà. Donc si vous voulez qu'on refasse du trépied, bah, il faudra que je puisse me choper un autre pot, parce que là c'est la daube. 63 euros sur la cagnotte, il manque il doit manquer aller une centaine de balles pour pouvoir acheter un pot décent, du genre Black Gun ou je sais pas, un Doppler, pas comme ça, un 2 RCX, un avec lequel je puisse mettre la béquille. Ou voilà quoi, ou le nouveau Doppler, hein, il paraît qu'il est bien, j'aimerais bien le tester, je pourrais vous faire un retour comme ça. Voilà, donc allez, on va démarrer la bête avec le cylindre repréparé. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. A l'air. A l'air. On est bien à l'air. Ah, ça a l'air souple. Ça a l'air souple. Donc demain, bah, on va être bon pour aller faire un test. Hein, en compagnie de notre GoPro Hero 9 avec ses jolies images. Donc là, on peut pas trop apprécier hein, parce que la tiquinette, elle est dans le noir. Elle est dans la pénombre. Et vous la voyez peut-être mieux que moi d'ailleurs. Donc bon, bah voilà, j'ai fait une petite modif sur le cylindre, hein, une petite modif que rien de particulier, mais je vous dirai pas ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est fait. Donc on verra demain ce que ça va donner. Voilà. Donc voilà les potes, la mob elle a démarré, il fait nuit dehors, donc bah, on va pas aller faire un tour dans le quartier. Donc ça sera pour demain, donc je coupe et puis je vous reprends demain. Allez, à demain, à tout de suite, à demain tout de suite, tchuss. Salut les potes, vous allez bien? Ouais, bah moi ça va à peu près, tranquille, comme vous avez vu dans le vlog d'hier. Donc petite modif dans le cylindre de la mob, petite modif dans le Hersal T6. Donc j'ai retouché un endroit que je n'avais pas retouché volontairement, parce que j'en profite pour faire des expériences et voir qu'est-ce qu'on perd à tel endroit et qu'est-ce qu'on perd à tel endroit.
Voilà, donc ces expériences-là, je les garde pour moi. Mais on va voir quand même ensemble quel est le résultat. Donc là, on va aller faire un petit tour de la mob en ville. Donc petite modif, donc mise au point, développement du T6. Et on va aller se faire ce petit test en ville ensemble avec la nouvelle GoPro, avec le son propre. Fini les... Bon, allez, à toutes. La titinette attend pour aller faire son petit tour. Elle a envie de faire des allers-retours de piston. Elle a envie de hurler un petit peu dans le quartier avec sa culasse Boost. Hé hé. On va aller faire un petit tour. Je vous fixe à montée de fourche. Et ensuite, on décolle. Bon, voilà les potos, vous avez vu le petit pigeot? Il chante bien le petit pigeot. Ça prend plus de tours qu'avant, hein, donc faut que je vous explique quand même. Après la modif que j'ai fait, j'ai retesté avec les mêmes poids qu'on avait avant, hein, c'est-à-dire pendant tous les tests des cylindres jusqu'à maintenant. Donc toujours les mêmes poids, donc les deux gros poids lourds et les rondelles. Et là, depuis cette modification, j'ai dû modifier le réglage, donc j'ai allégé de manière à ce que ça travaille plus haut dans les tours. Donc la modif que j'ai fait, a priori, a fait perdre en couple à bas et mi-régime. Et ça marche plus fort dans les hauts régimes, dans les très hauts régimes. Donc le fait d'avoir allégé le variateur fait que ça travaille plus haut dans les tours qu'avant, mais il y a du mieux. Il y a du mieux et ça, bah écoutez, on le saura demain si le temps le veut bien. Parce que actuellement, c'est vraiment pas top. On a du vent, on a de la pluie, on a tout ce qu'on veut pas. Voilà les potos, donc pour aujourd'hui c'est terminé. Donc voilà, vous avez une mob qui miaule dans la ville. Demain, ça sera
la VMAX. Ou alors, enfin, ou après-demain. Tout dépendra du temps. Allez, salut mes potos, à bientôt, et vive les pigeons. Ciao.